Donc là, je vais vous présenter divers produits pour le gilet. Donc là, on part sur un zip double. Voilà, pour fixer vos accessoires. Avec une petite pastille aimantée et une fixation qui se fait par cette épingle. Donc voilà, on a ce modèle-ci. Également, double zip. D'accord. Mais se fait au niveau d'un crochet. Voilà. Toujours pour le gilet, un accroche-mouche tout basique, tout simple, avec un mousqueton, un aimant style épuisette. D'accord, si vous devez enlever votre patch ou donc voilà. Également un produit que je vends bien sur le site, ce patch, également pour les mouches. Donc deux systèmes d'épingles derrière pour fixer au gilet. À l'intérieur une plaquette pour justement ranger toutes vos mouches. Donc la plaquette est amovible. Donc, vous pouvez la retirer pour faire sécher vos mouches ou autres. Donc elle se repositionne comme ceci. Voilà. L'avantage de ce modèle, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'écrase pas les hacles des sèches quand elles sont à l'intérieur. Donc voilà, ça pour les patchs. On retrouve un coupe-fil classique, la petite épingle pour enlever la colle de l'œillet, et puis deux maintiens plastiques pour une meilleure utilisation. Également le porte-flacon, voilà, muni d'un mousqueton. Donc vous fixez votre flacon à l'envers comme ceci, et pour avoir flacon pour graisser vos mouches, etc., etc. On retrouve deux pinces, une clamp courbe pour justement si vos poissons en gamme, souvent le cas en réservoir ou autre, sur des streamers ou bobies, donc pour éviter de les faire souffrir un peu trop longtemps. Une pince plate pour écraser vos ardillons avec un petit trou justement pour fixer un zip ou autre. Également, on va dire l'attache épuisette avec le cordon flexible et l'aimant. L'aimant vraiment costaud. J'utilise, voilà. Depuis deux saisons, et vraiment très content de ce produit. Toujours dans les outils pour le gilet ou autre, une housse étanche, car qui n'est pas passé à l'eau avec son téléphone portable? Une housse étanche avec son cordon, donc que j'utilise. Donc là, voilà. Donc on peut, au niveau tactile, on peut le faire à travers la pochette. Donc pochette étanche avec un cordon qui se clipse pour mettre autour du cou d'une poche. Donc l'étanchéité se fait par le dessus ici. Voilà, on ferme et voilà, et on clipse. Voilà, donc là vous pouvez téléphoner, vous pouvez tout faire, votre téléphone fonctionne. Et en plus, étant donné qu'il a deux faces transparentes, vous pouvez prendre des photos. Voilà, on découvre que l'appareil photo est disponible. Donc voilà, un produit très sûr pour éviter que votre téléphone passe à l'eau. Donc voilà pour les produits pour le gilet. Merci.